Yo l'ami, j'espère que vous allez bien. Donc moi là-bas, je suis basketteur et je m'entraîne dur pour atteindre mes objectifs. Et comme Mademoiselle Howard le dit très bien... Tu vois, moi dans ma vie, j'aimerais faire plein de trucs. Ouais. J'ai été coach de basket et je fais même des interviews. Hop là. Et je trouve qu'on met toujours la lumière sur des personnes qui ont réussi. Avec ma personnalité atypique et ma motivation, viens avec moi découvrir des personnalités qui seront sans filtre et inspirantes. Viens avec moi découvrir les personnes qui charbonnent dans leur quotidien, qui font beaucoup de sacrifices dans leur vie et qui mouillent le maillot tous les jours pour réussir. Bienvenue dans Atalaku, 24 heures avec une personnalité. J'aime bien quand c'est compliqué, j'aime bien aller chercher le dépassement de soi, tu vois. Il faut vraiment rentrer dans le personnage et dans ce que tu vis. Vraiment retransmettre une émotion, t'as vu. Facile de célébrer avec toi quand t'es dans la lumière et tout, parce que tout le monde va être avec toi, tu vois. Mais quand il pleut, quand il y a des tonnerres, tu vois ou pas, qui va te prêter son parapluie? Yo l'ami, c'est Docteur Drew, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est à Montpellier. Anna Howard, c'est une personne qui a un don sur ses mains. Elle s'est dessinée. De toute façon, vous allez la découvrir là sur l'épisode. Et vraiment, genre, c'est vraiment un truc de fou. Hey Anaya, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bien? Ça va bien. Ok, donc là on est chez toi là. Ah bon? I'm gonna take you guys up. Ok, let's go. Ok. Ah ouais, là c'est au summum du basket là. Il y a Léa. Ok, bonjour Léa. Je vais vous emmener dans mon studio. Ok, let's go. Avec Anaya, elle va nous montrer ses œuvres d'art depuis qu'elle est toute jeune. Ouais. Je suis là il y a depuis 2013. 2013. Ouais. Okay. Je crois que c'est 2013 jusqu'à. Donc tu avais 12 ans. Ouais. 12 ans tu dessinais comme ça. Ouais. My guy, j'adorais le pop art. Le pop art, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, parce que moi je connais pas. Alors le pop art, des sujets populaires de la culture, tu vois. Ouais. Surtout de la culture américaine, du style comic books. Ouais. Enfin tout ce qui est Coca, enfin tu sais, c'est là où il y avait l'ère des logos et tout. Enfin c'est assez culture et assez coloré. Okay. Donc ça me parlait beaucoup. En plus c'est des formes plutôt simples. Ouais, c'est pas très complexe et tout, donc c'était assez facile à aborder. Ça c'est qui ça? Toi tu rigoles, c'est qui? Non, c'est qui? Essaie de deviner. Je sais même pas. Rihanna. C'est Rihanna. Ça c'est quand Chris Brown l'avait frappé, avant ou après? Je sais pas. Ah ouais, Rihanna, Riri. Bad guy. Chanel like a diamond. Ah bon? C'est LeBron. Ok, LeBron James, ouais, vraiment ouais. Bien fait, hein, LeBron.
Tu verras. Tu vas voir le before et le after. Ça c'est vraiment le début du début. Ça, c'est vraiment. Quand t'avais les petites mains là, les petites mains sucrées là, avec les bonbons là. Mais fais voir tes mains, fais voir tes mains. Parce que voilà, ça c'est les mains de l'art ça. Il y a de la peinture. Voilà. Voilà. Ça c'est avant ou après le basket? Post. Ah bon? Post basket. Parce que regardez, moi mes mains là, c'est tout cassé à cause du basket. Toi, t'as eu du mal avec le basket ou pas? Parce que... Moi, j'ai eu plutôt des problèmes d'épaule. Je m'étais blessée à l'épaule. Ouais. Et pour peindre, c'était chiant. L'année dernière, à Wake, il y a 2 ans, quand j'étais à Wake Forest, j'étais en train de bosser sur cette toile qui était immense. Ouais. Et du coup, quand je rentrais de l'entraînement, j'étais déjà fatiguée, tu vois. Mais du coup, pour peindre là. Ouh! C'est pas pour moi. Et c'est juste comme ça, là. C'est quoi l'œuvre d'art ou la sculpture ou je sais pas qui t'a pris le plus de temps? Celle de Wake Forest. Je t'enverrai une vidéo. Vas-y. Bon, on va regarder un peu les dessins là quand t'étais petite. Il y a les dates et tout, hein. Ouais. Ça c'est 2014. 2014. Ah ouais. Et toi, t'aimais beaucoup tout ce qui était Mario, tout ce qui. Enfin, tu sais, je commençais donc en fait tout ce qui était réaliste, ça me faisait un peu peur. Tu vois. Donc j'étais beaucoup plus à l'aise dans le. Réaliste, c'est-à-dire qu'est-ce qui te faisait peur? Bah par exemple là. Quand on rentre là-dedans. Ouais. Là, c'est une vraie personne qui a des vrais yeux, qui te regarde. Tu vois. Ouais, je vois. Et pour moi, genre, je sais pas. En fait, je voulais vraiment faire de mon mieux. Ouais. Et pour moi, c'était un truc où j'avais pas assez d'entraînement, en fait. Tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je vais tenter ça plus tard. Quand tu dis entraînement, comment tu t'entraînes? Quelqu'un qui débute comme ça dans le dessin et tout, comment il rentre dans le truc, tu vois? Vraiment, c'est. À l'école. À l'école. À l'école sans mes. Ah, quand tu t'ennuyais là, au cours de physique chimie. Au cours de physique, donc c'est ça que tu faisais. Moi, en histoire. Oh, en histoire. En histoire, j'écoutais rien. Ah ouais? J'écoutais rien, je faisais que des dessins en fait. Quand je faisais des dessins, ça m'aidait à retenir les trucs. Ok. Donc au final, ça m'aidait, tu vois. Ok. Mais ouais, je m'amusais beaucoup à faire des petits doodles, enfin, tu sais, vraiment explorer sans me mettre la pression. Et puis, tu vois, en faisant des trucs comme ça. Ouais. Bah pour moi, ça m'aidait à m'entraîner sur les formes, tu vois, genre le changement de nuances. Ouais, c'est ça. Je vois. Tu vois. Wow. Et je vois que t'as vraiment la culture américaine, tu vois. Moi, j'en garde pour l'interview un peu, mais je vois que quand je rentre ici, c'est comme si je suis à LA, tu vois. Tu vois, franchement, c'est normal. Mon père, il est carré. Ouais, je vois. Comme Chicago, tu vois. Donc, à la maison, c'était toujours. On lui parlait en anglais, on regardait les films en anglais. À chaque fois que tu rentres dans la maison, il y a de la musique, c'est en anglais. Ah ouais? Tu vois, donc c'est vraiment. En plus, le basket. En soi, oui, c'est la culture, c'est américain. Tu vois, donc, ça fait sens. Tu vois. Et à la maison, vous parlez tous anglais et tout. Enfin, c'est ton père qui a mis l'anglais à la maison. Enfin, ça se passe comment quand tu rentres dans une famille comme ça? Je parle français avec ma mère, ouais. Je parle anglais avec mon père. Ah ouais? Et avec mes frères et sœurs, on parlait français avant. Mais là, depuis que Jane et moi, on est partis aux États-Unis, maintenant on parle franglais, tu vois. Ah ouais. Avec mon copain, on parle que franglais, donc c'est intéressant. Je vois, je vois. Ok. Super. Marilyn Monroe, Kobe. C'est mon préféré de quand j'avais 12 ans. Et ça tu fais comment? Ça, je sais même pas. Tu sais, je l'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit, mais je sais même pas comment j'ai commencé, par où je suis passée, enfin... Vraiment? Je sais pas. En fait, c'est... C'est le talent, hein? Pour moi, c'est un feeling que je cherche, tu vois. Je pense que je dessine jusqu'à ce que j'ai ce ressenti de, ok, je suis satisfaite, tu vois. Ok. Et après, je sais pas... Je sais pas trop comment l'expliquer parce que même avec mes dessins de maintenant ou les œuvres que je fais en ce moment, c'est la même chose. Je cherche un feeling, peu importe le moyen par lequel je vais y arriver. C'est ce truc que je cherche. Et j'arrive pas à mettre mes mots dessus pour le moment, mais un jour je te ferai un interview et je t'expliquerai. Ah bon? Et par exemple, moi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui méditent. Qui, tu sais, qui se mettent dans un état d'esprit, un mood. Est-ce que toi, t'es naturellement comme ça avant les matchs? Parce que je vais faire le lien entre les dessins et le basket, à peu près. T'as le même état d'esprit avant un match? Ou t'es, entre guillemets, tu dois te préparer ou tu dois te mettre en condition? C'est un peu le même
process. Ok. Ouais. J'adore la musique, j'adore danser. Mmh. Avant de faire du basket, je faisais de la danse, tu vois. Donc, mmh. me mettre dans l'humeur avec de la musique, tu vois, c'est toujours un truc que je fais, que ce soit dans le basket ou dans l'art. Mais je dirais que, ouais, je dirais que c'est se mettre dans un peu me hyper, tu vois. Ouais, tu vois, tu te hypes avant les matchs pour faire une belle perf et tout, et un peu oublier ben, les pressions du match, les pressions des coachs, enfin, tu vois, les pressions extérieures et tout. Et tu te mets dans un mindset où tu te mets dans ta zone, tu vois. Je crois que je fais la même chose dans l'art. Ouais. T'as déjà fait du graffiti? Un peu. Très très peu. Très peu. Mais je dirais que je m'amusais beaucoup à tester des écritures et tout dans mes cahiers. Okay. Dans mes cahiers. Toi, c'est tes cahiers. Non, mais je sais parce que même moi, tu sais, des fois, quand je vais aller en cours, ah non, je dessinais. Même si je n'avais pas dessiné, je dessinais. Je dessinais une main, un ballon de basket. Parce que je te jure, mon cahier d'histoire. Ah, c'est toi, c'est quand tu t'ennuies. En fait, c'est quand je m'ennuie et quand. Ça me parle pas plus que ça, tu vois. Ouais. Et pour que ça me parle, pour que j'arrive à y faire sens, en fait. Mmh. Ouais. Je vois. Ok. MJ. Ok. C'est le même. Hein. Non, c'est pas le même. It's different. Tu vois. MJ, vraiment, genre, là, on va passer un peu à ce que tu fais vraiment. Là, vraiment, tu vois, ça me choque. On dirait une photo. Tu vois. Ça, tu prends combien de temps à faire ça? Ça, celui-là en particulier, ça m'avait mis 2 jours. 2 jours? 3 jours, peut-être. 3 jours? Ouais. Moi, je prends 2 ans. 2 ans, je te jure. Et puis même, c'est même pas le même résultat. De toute façon, là, tout à l'heure, on va faire un petit truc ludique, là. Mm-hmm. On va voir un peu... Je vais te montrer. Voilà, tu vois, tiens. Faut s'entraîner. Ça, faut s'entraîner. Faut s'entraîner, les gars. Ça vient pas tout seul, pas du tout. Pas okay. du tout. Ok. Attends, je t'en montre un que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Pas loin. Not far, tu vois, pour s'entraîner. Ouais. Mais il est bien fait quand même, même si tu. Il est bien, enfin. En fait, quand je l'avais commencé, je me suis dit, mais non, en fait, sa tête, elle est. Pas du tout là où je veux qu'elle soit. Mais tu reconnais, c'est Justin Timberlake, oui, non? Oui, moi je le reconnais. Voilà, tu vois. Mais quand même, c'est Justin là, c'est pas Justin. Non, mais moi si je dessine Justin, tu vas voir si c'est Justin ou si c'est Drake. Je suis morte. Ok, lui. I love that. Ouais, parce bien fait. Tu vois, ouais, c'est les là nuances. Où j'avais commencé à découvrir qu'en fait, quand tu fais de l'hyperréalisme, en fait, ouais. Faut pas. Trop se focus sur rendre la chose exactement comme la photo, comme la référence. Ouais. Faut vraiment juste prêter attention au feeling. Genre là tu vois, c'est de la sueur, donc ça, ouais. ça brille, tu vois. Ouais. Mais dans ma tête, c'est genre, ok, ça c'est un L, ça c'est un autre L, ça c'est un autre L. Ah, tu vois, genre, quand tu commences à penser aux choses d'une manière plus abstraite, c'est là où tu peux commencer à dire, t'enlever la pression déjà, tu vois, ouais, et dire vois. Ok, c'est faisable. Je vois. Et ça, t'avais une photo ou c'était dans ta tête? Mm-mm, j'avais une photo. Ok. Waouh. Ah ouais. Puis voilà. Ah oui, c'est mon préféré. Il faut voir. Celui-là, j'étais malade. C'est le jour de mon anniversaire, j'avais une angine. J'étais dans mon lit misérable. Mais bon, il fallait que je trouve un moyen de passer un beau moment quand même. Ouais. Waouh. Malade, mais. Ah ouais, vraiment. Bilo Kaba Fararon. Puis voilà, après c'est d'autres petits dessins. Ouais, je vois. Je vois. Mais voili, voilou, un peu. Il y a l'entraînement dedans, il y a. Ça, c'est tout. Genre, j'ai pas. J'avais jamais vraiment fait d'autres œuvres que j'ai pas mis dans ce livre. Okay. Donc, tout ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai fait, plus ou moins. Ouais. Il y en a que j'ai dû donner. C'est déjà. Ah ouais? Et c'est déjà beaucoup, hein.
Ça, c'est des petits tiens à cœur. Ça c'est des années de travail, non? Ça, là, ouais. Vraiment. C'est touchant, en fait, tu vois. Ouais, je vois. De voir un peu le progrès et tout. Et ça, c'est Right Now ou... Ça, c'était For Fun. Je sais pas s'il y a des trucs là-dedans. Ouais, il y a quelques trucs. Ça, c'était c'était quand? Décembre dernier. Mm. C'était une étude. Ok. Et j'ai une question comme ça qui me vient. Waouh. Non, ça m'a choqué. J'ai cru vouloir m'embrasser. Non, toi, t'as fait ton école en France. Tu vois, t'as commencé en France, tu vois. Et tu sais qu'aux États-Unis, tu vois, tu choisis un peu ce que tu veux faire. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'en France, t'aurais eu le temps ou t'aurais pu faire ça, tu vois, au niveau de la scolarité française et tout? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Ça, c'est que quand t'es en cours d'histoire que tu travailles. Surtout qu'en fait, dis-toi que, bah, par exemple, t'es en art plastique, on te donne un projet, tu sais, le projet là qu'on te donne à faire. Tu fais ça. Moi, je les faisais en une session de cours fini. Tu vois. Ah ouais? Le projet, il est censé durer toute la semaine. Un jour, c'est fini. Ah ouais. Et derrière, j'avais beau vouloir faire plus, tu vois, apprendre plus. Ils n'étaient pas forcément capables de m'apprendre. Ah bon? Ouais. Ils t'apportaient rien, les profs. Tu vois. Et t'avais une école particulière? Non, j'étais... Enfin, après, je suis rentrée dans le système du haut niveau, là. Lequel? Genre Krebs. Ah, ben, tu peux pas. Tu peux pas. Là, ça, c'était en études que tu peux travailler. Voilà, genre, tu peux pas, ouais. Après, ils étaient cool. Franchement, à l'INSEP, ils étaient sympas parce qu'ils m'ont laissé un espace où je pouvais y aller, tu sais, pour dessiner et tout. Ouais. Mais, enfin, voilà, quoi. La réalité des choses, c'est que c'était hyper chronophage. Enfin, t'as pas le temps. Non. Tu te réveilles, t'as entraînement. Non. Tu te réveilles, t'as études, t'as ouais. cours, t'as ouais. je sais pas quoi, là. Et après, t'es cramé, genre, tu... Non, t'as pas le temps. Bah oui. T'as pas le temps, mais pourtant, je trouvais le temps. Il fallait que je dessine. Bah oui. Donc, moi, c'était... une des grandes raisons pour laquelle je suis partie aux États-Unis après. C'est parce qu'en France, on ne peut pas faire un double cursus, tu vois. J'ai pas l'impression. Après, c'est parce qu'on est hyper rigoureux. On est hyper pro, tu vois. En France, on aime bien faire les choses bien et les faire au maximum de nos capacités, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que tu prends toute ton attention et tu la focuses que sur une chose. Ouais, je vois. Et... quand tu commences à parler d'autres choses, c'est là où on dit ah bah non en fait c'est faux, c'est pas bien, ouais. tu vas pas réussir, perds pas ton temps, enfin tu vois ah ouais, des ouais, trucs comme vois. Ça. Je vois. Donc après bon, ça donne ce que ça donne, hein. on a le savoir-faire et tout, enfin là-dedans on est hyper fort. Mais derrière du coup ça nous ferme un peu l'esprit, tu vois, par rapport à d'autres sujets. Je vois. C'est une manière de faire. C'était une bande dessinée que je devais faire pour les cours. T'aimes bien ça, les bandes dessinées et tout? J'adore. Ah ouais? Ah non, j'adore. Je suis une Marvel fan. En fait, toi, t'es hybride. Parce que je vois que là, dans cet art-ci là, de Jordan, c'est bien. Et je vois aussi que tu peux te spécialiser aussi dans la BD, dans tout ce qui est... Tu vois, moi, dans ma vie, j'aimerais faire plein de trucs. Ah ouais. Je veux pas me restreindre à qu'une seule pratique. J'aime bien dessiner avec du fusain, j'aime bien dessiner avec des crayons couleurs, j'aime bien peindre, j'aime bien sculpter. J'ai une machine à tatouage. J'ai une machine à tatouage. Je vais me mettre à tatouer genre bientôt, tu vois. J'ai fait des customs de chaussures pour fun, tu vois, mais ça marchait trop bien. Ah ouais. J'aime bien faire du design aussi. Ah ouais. Avant je voulais faire comment ça s'appelle? Fashion designer. Je sais plus comment. Mais ouais, je voulais faire des vêtements et tout. Montre-nous tes mains là. Bon. Ceux qui veulent acheter les mains là, c'est 1800 euros. C'est trop cher. Je veux pas acheter. These are the originals. Okay, original. Ok. Let me see what happened. Damn. Hey, Kobe! Ah non. Putain.
J'ai même envie de pleurer. Kobe, quand il était décédé, ah non, qu'est-ce que j'ai pleuré? C'est que là, j'ai tremble. Moi, j'ai matché tout. Waouh. Non, t'es forte. Merci. Yeah. Il transpire carrément. Ah non. Ah non, ça c'est de l'art. Ça, c'est de l'art. C'est méchant. Stephen Curry. Je vais te donner les parties que je préfère. C'est ma partie préférée de Kobe. Ouais. La goutte, ouais. Vraiment, c'est bien fait. Et là, c'est les petits poils, là. Ouais, de Curry, les petits, ouais. Baby poils, baby face. Non, vraiment. Hey, faut faire doucement. Ok. Miss Chloe. Miss Bae. Wow. Ok, montre-nous les points forts de cet art là. Là, c'est ses lèvres que j'aime beaucoup. J'aime bien ses yeux aussi. Ils ont un beau smoky. J'aurais pu mieux faire sur ses bébés, mais j'aime bien. Des esquisses. Ce sont des esquisses. Ah, ça, c'est les backstage. Ouais. Wow. Ça, c'en était un que j'ai fait pour. C'était une commission par l'ATP, l'association de tennis. Ok. Ils m'en avaient commandé 8, donc ça fait partie de la série. Et eux, il y a souvent des organismes comme ça qui te. Là, pour le moment, j'ai eu l'ATP. D'accord. La NBA, New Balance, et j'allais faire un truc avec NASCAR, mais au final, c'est pas fait. Ok. Même Léonard de Vinci est jaloux. Hop, là, il y a Serena. Miss Williams. Wow. Ça, c'est du fusain, ça? Ouais. J'aime bien le fusain parce que c'est hyper compliqué à manipuler. Ouais. C'est délicat, c'est une poudre, tu vois. Ouais. Donc, à tous les coups, ça... J'ai l'impression que toi, t'aimes la difficulté un peu. T'aimes bien te lancer des défis, non? Oui. Moi, c'est... J'approche l'art comme j'approche le basket. J'aime bien quand c'est compliqué, j'aime bien aller chercher le dépassement de soi, tu vois. Moi, ça m'intéresse. Alors, tu peux me passer ça, merci. Tiens. Moi, je fais doucement parce que là-dedans, là, j'ai même chaud. Lui, c'est mon préféré. Ok. Waouh. Non. J'adore. Non. J'aimerais dire j'adore. Damn. Les yeux. Regarde le reflet. Ah non. Toi tu rigoles mais moi je suis choqué. Quand je vois ça de mes yeux là, j'ai chaud. Ah ouais. Je vais sortir le brun aussi. Alors ça. Celui-là c'était encore un de ma série ATP. Ok. Et ça, ils mettent. Ils prennent. En fait, comment ils le diffusent? Parce que toi, tu as les originales et tout. Mm-hmm. Eux, ils prennent une photo et ils balancent ça comme la Joconde. Parce que moi, je sais que par exemple, la Joconde, elle, c'est pas la vraie qu'on voit dans le musée. Ça dépend. Par exemple, ATP, c'était une campagne digitale. Ouais. Donc au final, moi, je prends ça, je trouve ça avec ma caméra et tout. Je leur envoie. Et ça part sur les réseaux, sur Insta, ça. Ok. Et au final, c'est moi qui garde les origines. Donc ils sont encore là. My guy. Benzema. Oh là là. Non, l'art. Ah ouais. Je vois même dans ses yeux. Regarde comme il me regarde. Non, franchement, c'est fort, c'est lourd. Merci. Vraiment, c'est lourd. Ah non, j'aime trop.
Il a même fait les contours. Il n'a jamais le contour. il a jamais le contour. C'est Photoshop version humaine. Wow. C'est Dierka Hamby, c'est une joueuse qui joue à Las Vegas. Ok. Et elle a joué à Wake Forest. Ok. Tu sais, moi là, je regarde juste les œuvres. Ouais. J'ai l'impression que je suis transporté, tu vois. Ah, trop bien. C'est comme, c'est un état d'esprit, c'est un mood, tu vois. Moi, là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir vu Benzema, Kobe, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, non, je te jure, c'est vrai. Parce que quand c'est une photo, tu vois, c'est différent. Ouais. Mais là, c'est vraiment de l'art, tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir. Ouais. Parce que c'est ça que je cherche à faire, tu vois. Tu vas vouloir venir de ce côté. Ok. Par là. Hey! King James! LeBron James! Monsieur, Anaya! Sir James! Fais-nous l'explication de cette œuvre d'art! Alors, again, this is a mood piece. Ok. Alors, l'approche elle est simple, tu vois. C'est le feeling que je cherche à ressentir. Ouais. Et ça passe par le regard, tu vois, c'était la partie la plus importante. La photo, elle était plutôt large, tu vois, je crois que c'était son torse et tout, enfin c'était plus loin que ça. Mais moi j'étais vraiment intriguée par la lumière qui rentrait, tu vois, le regard vers l'extérieur, tu vois. Je vois. Et vraiment essayer de comme tu as dit, de donner une atmosphère, tu vois, pour vraiment faire rentrer la personne qui regarde l'œuvre, tu vois. Ouais. Là, vraiment, c'est vraiment un effet d'optique avec les couleurs, avec... Parce que c'est du noir et blanc, mais pour moi, c'est des couleurs, vraiment, parce que... Oui, c'est des nuances. C'est, ouais. Mm. C'est fort, hein. Tiens, regarde. Voilà le before. Voilà, before and after. Tu prends combien de temps à faire ça? Cinq jours. Faut même pas que la mousse elle, elle approche à la... 5 jours. Ouais, mais c'est vraiment genre, je me lève, je fais ça toute la journée. Ouais. C'est pas, tu vois, et quand tu fais ça, tu switch off ton phone et tout, tu te déconnectes. Phone, je mets soit une série, soit je mets un album, enfin tu vois, une série d'albums qui me font kiffer, tu vois. C'est-à-dire de la musique Ah ouais? Après, l'année dernière, j'étais vraiment sur des séries. Là, cette année, je suis repartie sur plutôt des albums. Ok, ok. Mais c'est vraiment genre rentrer dans un mood ou dans une zone où je peux pas être dérangée. Ouais, je vois, je vois. Et toi, le stress, les trucs, tu peux pas... Tu vois, peut-être quelqu'un... Parce que moi, je parle aussi, tu sais, dans la vie en général. Mm-hmm. Dans la vie, quelqu'un qui te stresse, tu peux pas. Quelqu'un qui me stresse, je vais te dessiner derrière. Je sais, tu as dessiné le stress qui est là. Exactement. Tu vois. Et c'est franchement, c'est. Quand je jouais, genre, c'était vraiment un moyen thérapeutique pour moi de gérer les choses en fait. Okay. C'est vraiment genre. Ok, j'ai une journée merdique à entraînement. Tu vois. Ouais. Hurler dessus, ou je sais pas, j'ai briqué un layup. Tu vois. Flemme. Bon, je fais de là. Ok. Et ça empiète pas sur ton art. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le stress, tu changes de mood, tu changes d'état d'esprit. Et là, tu... Franchement, c'est... je suis quelqu'un de sensible, tu vois. Mm. Donc, moi, je suis stressée facilement, en fait. Ouais. Du coup, vraiment, en fait, quand ça devient trop, c'est là où tu vas me voir dessiner. Okay. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. C'est comme un peu les chanteurs, parce que moi, je sais que les chanteurs, tu sais... Mm-hmm. Eux, quand ils sont pas bien, c'est là où ils lâchent des gros titres. Chakola, il disait à un moment que lui, quand il est pas bien, c'est là où il sort, je sais pas, la mélo ou un truc comme ça. Mm-hmm. Tu vois? Toi, c'est un peu près pareil? C'est à peu près pareil. Quand t'es pas dans un bon mood, tu... Dessiner. Après, même quand je suis dans des bons moods, ouais. Ça me fait plaisir de dessiner. Ouais, je vois. Mais c'est sûr que quand ça va pas, ou quand il y a des choses qui me frustrent, ça aide.
Et là, c'est, ça, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est un état d'esprit, vraiment. Ah non, LeBron. LeBron, tu penses qu'il a vu c'est ça hein? Il a déjà vu ça. Il ne l'a pas vu. Ah bon? C'est sûr. Tu sais que moi, là, moi, j'aurais été à ta place, je serais allé dans un terrain. J'aurais sorti ma pancarte. J'ai dit, hey, regarde LeBron, regarde. One day, j'espère. J'espère qu'il les verra. Ouais. C'est pour ça que je les garde, en fait. Mm. Je me dis qu'un jour, ouais, peut-être qu'ils pourront voir leur portrait, là, chacun. De... Ouais, bah oui. Que je t'ai montré. Bah oui. Et franchement, ça serait cool de pouvoir lui donner. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je viens de terminer ma collab avec la NBA. Ouais. Et l'expo, elle est partie à Abu Dhabi pour le match des Hawks contre. Ouais, il y aura un match à Dubaï, un truc comme ça. C'est ça, et il y aura l'expo. Donc et sur place, il y aura une exposition. Et toi, tu y seras ou pas? Non, moi, je ne serai pas. Ah bon? Mes heures, elles. Ah bon? Donc, tu es représenté là-bas. Ouais. Après, du coup, ça c'est fait. Ouais. Moi, j'aimerais bien commencer une série de mes œuvres. Ok. Vois, propres à moi-même. Parce que là, par exemple, tout ce que j'ai fait, c'est à partir de photos. Mmh. Et ce sont des photos qui ne m'appartiennent pas. Ouais. Donc, moi, j'appelle ça plutôt de l'entraînement. Ouais. Tu vois, après, je considère qu'elles sont à la hauteur d'œuvres d'art qui pourraient être exposées, tu vois. Mmh. Mais je suis plus dans l'optique de commencer cette année avec ma propre série, avec mes propres photos et vraiment tout qui m'appartient, tu vois. Comme tu peux le voir sur cette table, je suis en train de commencer à sketcher tout ça un peu. Ouais. Et j'espère faire une expo cette année. Ah ouais? Franchement, ce serait cool. Ouais, ça serait bien. Ouais. Ok. Ouais. Bah non, ça finit pas comme ça. La partie 2 sortira très prochainement. Donc abonne-toi et active la cloche pour être mis au courant de sa sortie.